Alors, pour allumer la pompe à chaleur, il suffit d'appuyer sur le bouton marche arrêt, celui-ci. Le voyant vert donc va s'allumer. Ici, il va y avoir donc le mode de fonctionnement là qui est représenté en soleil, qui veut dire chauffage. Après, si on veut monter ou descendre la température, il suffit d'actionner la flèche du haut pour monter. Et là, vous avez température désirée. On monte jusqu'à par exemple 27. Bon, c'est pas une température bien sûr, hein. Ça c'est un test. Donc, on demande 27 et la température réelle de la pièce là est à 26. Après, quand on veut changer le mode, on appuie une fois sur le menu ici. On descend jusqu'au mode de fonctionnement, qui là qui est représenté sur chauffage. On appuie sur la flèche de droite. On a chauffage, on descend et on va jusqu'à rafraîchissement et on clique OK. Là, on revient en arrière avec la touche menu et là, on a le petit symbole qui est changé, qui est passé en mode froid. La température réelle de la pièce est toujours 26. Et là, on sélectionne notre température souhaitée, qui marque ici. Et automatiquement, ça revient à la température réelle, tout seul. Le voyant vert fixe indique comme quoi la pompe à chaleur est en fonctionnement. Et quand ce symbole-là est entouré par une jarre de flèches, ça veut dire que le groupe extérieur démarre. Il y a des tempos, donc ça démarre pas tout de suite. Voilà, il n'y a pas plus à faire.